Hello, hello, j'ai reçu un email ce matin me disant voilà, est-ce que je dois lancer un site web, une application mobile, c'est ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas par quoi commencer. Et puis souvent, j'ai des questions qui me viennent de l'ordre de quel régime fiscal choisir, est-ce que je devrais faire du e-commerce, etc., etc. Et du coup, j'ai préparé quelques réponses et surtout, j'aimerais répondre à la question, mais quel est ce business model que tous les entrepreneurs web promeuvent actuellement et qui nous permettent de gagner il y en a qui gagnent des millions d'euros et des millions et des millions d'euros. Et en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Je vais vous dire tout de suite, c'est un business model qui existe depuis très très longtemps. Simplement, le web l'a amené à un niveau supérieur. C'est le business model des auteurs de livres, par exemple, qui écrivent des livres et qui vendent leurs livres. Donc, ils vendent de l'information. Ces auteurs-là, souvent, donnent des conférences où ils sont payés. Ils donnent des formations dans des entreprises, des séminaires. Ils organisent des séminaires. Ils font du consulting. Et en fait, c'est simplement de prendre ce qui existe déjà, mais d'utiliser la puissance du web pour gagner bien plus d'argent. Et en fait, c'est une opportunité aujourd'hui. Dans 10 ans, je pense qu'on enseignera même ça à l'école. Moi-même, je commence à l'enseigner dans les écoles de communication où je donne des cours. Donc, je vais vous parler de ce modèle-là. Et l'idée, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, oubliez tout ce qui est start-up, boutique physique, application mobile, e-commerce, tout ça, c'est très fatigant, c'est très chronophage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, okay? Mais je dis que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est né entrepreneur avec un talent pour l'entrepreneuriat et une envie profonde d'être entrepreneur parce que c'est pas dans ce cadre-là que vous avez grandi et que vous voulez tenter l'entrepreneuriat, commencez pas par ça. J'ai créé un site e-commerce par exemple en 2018. J'ai créé le site, tout était bien et après je me suis dit, et pourtant c'est mon métier hein, là, comme je me suis dit, comment j'attire du trafic maintenant? En fait, il faut payer des centaines et des milliers d'euros en publicité Facebook. C'est très simple. Et donc, ne perdez pas cet argent. Le business model que je vous montre est vérifié, fonctionne déjà et vous coûte très très peu d'argent. Alors, je vais vous le présenter simplement à travers quelques exemples. Okay? Je vous donne quelques exemples que j'ai préparés et après, je vous définis ça de manière un peu plus structurée. Le blog de Famille épanouie, donc c'est un couple et ses enfants qui ont créé un blog sur la parentalité. Et du coup, je les ai rencontrés et ils nous ont raconté comment ils gagnaient. Ils avaient un business à 6 chiffres. Ça veut dire que, en fait, ils produisent du contenu gratuitement pour aider les parents à mieux s'occuper de leur bébé et leur nourrisson. Et à côté, ils vendent des formations en ligne à, je ne sais pas, je ne connais pas les prix, 50, 100, 200 euros pour et vous aider à. Alors, je confonds peut-être aussi avec d'autres sites américains, mais aider votre enfant à mieux dormir, à mieux manger, des trucs comme ça. Vous voyez? Et en fait, ça répond à un véritable besoin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à l'école qu'on nous apprend à bien s'occuper de nos enfants. Et puis, on peut avoir des conseils à gauche, à droite de nos amis, mais ça reste des conseils ponctuels. Et donc, d'avoir une formation qui nous explique un peu de A à Z comment s'occuper de notre enfant, c'est pas mal. Et donc, il y a ça pour tout. Il y a, je pense à Johan Techfac de Français Authentique que j'ai interviewé dans mon podcast, qui lui aide les personnes qui parlent déjà français à améliorer leur français. Et par exemple, il y en a qui ne sont pas de nationalité française, qui parlent français et qui se font recaler après des entretiens parce qu'ils ont un accent, parce qu'ils font quelques fautes. Et ça existe. Et il y a qui pour aider ces gens-là à mieux parler français? Il n'y a personne. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est une méthode. Il a fait plusieurs méthodes. Il met en ligne, vous cliquez, vous achetez, et c'est des prix très accessibles, hein. Ça commence à 49 euros, après ça peut augmenter à 200 euros, il organise même des séminaires en présentiel. Et donc, vous aidez des gens, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes et aider des gens. Autre exemple, c'est, moi j'ai travaillé pour des entrepreneurs dans l'immobilier, et un des clients que j'avais, je suis moi-même devenu client. C'est-à-dire qu'il proposait des formations sur l'immobilier, chose qui m'intéresse évidemment, même si ce n'est pas un grand intérêt, c'est plus pratique. Et lui-même vendait une formation à 2000 euros et je l'ai payé. Je l'ai payé parce que je voulais moi-même me former sur l'immobilier. Je lis des magazines, par exemple,
des magazines de ce type-là, là. Bah, c'est très bien ces magazines, mais ça ne vous forme pas à l'immobilier. Et à l'école, on ne vous forme pas et très vraisemblablement, aucun de vos amis peut vous fournir une formation d'une demi-journée sur comment investir dans l'immobilier. Et bah, grâce à Internet, vous pouvez chercher des formations sur l'immobilier et prendre la formation qui vous plaît et qui va vous donner en quelques heures un concentré de contenu. Donc, comme ça apporte beaucoup de valeur aux gens qui achètent ces formations, bah vous, en tant qu'entrepreneur, en fait, vous avez une grande opportunité. Donc, si vous avez une passion, des compétences, et les passions et les compétences peuvent croître, hein, d'accord? Si à l'instant T, vous êtes peu compétent, bah, avec la pratique, vous pouvez devenir très compétent. Et surtout, ne vous dites pas, j'ai pas un doctorat. Non, pas besoin d'un doctorat. Moi, si je veux apprendre les gens à créer un site WordPress, il suffit que je passe un ou deux mois dessus à pas mal bidouiller dessus. Et puis, j'ai les connaissances nécessaires pour former. D'ailleurs, je vais vous raconter un peu mon histoire. Moi-même, je voulais pas du tout être entrepreneur en fait, pour des raisons familiales. J'ai dû me retrouver à m'occuper de mon père suite au décès de ma mère et il fallait que je gagne de l'argent depuis la maison. Donc comment j'ai fait? J'ai commencé à créer des blogs sur plein de sujets, le développement personnel pour les hommes, les sorties à Paris, le blogging, les produits Apple. Et donc petit à petit, j'ai resserré mes centres d'intérêt et aujourd'hui j'enseigne le web marketing, j'enseigne l'entrepreneuriat et donc ça c'est formé en pur autodidacte. Par exemple, je suis l'auteur du guide du blogueur qui aujourd'hui est publié aux éditions Erol qui est l'une des plus grandes maisons d'édition pour les livres pratiques. Bah, ça a commencé par un blog et puis j'ai auto-édité un livre et puis aujourd'hui j'ai un livre qui se retrouve à la FNAC. D'accord. Et tout ça, bah, je l'ai commencé moi-même, sans l'autorisation de personne, sans diplôme. Jamais on m'a demandé un diplôme avant de me demander de travailler avec les gens. D'accord. Parce que moi, donc, ce que je fais, hein, c'est que je donne des cours dans des écoles de communication. Je fais du freelance pour des clients où je travaille, où je leur offre mon temps contre de l'argent. Et puis à côté, ce qui est vraiment scalable, c'est que je propose des formations en ligne sur ma plateforme, sur Udemy. Et donc, sur 2018, je m'y suis mis vraiment sérieusement et j'ai généré plus de 15 000 euros rien qu'avec la formation en ligne. Et c'est rien du tout par rapport à ce qui est possible, par rapport à ce qui va se faire en 2019 et par rapport à d'autres entrepreneurs. Je vous donne un dernier exemple, c'est Axel Paris qui sera au sommet virtuel solopreneur qui va nous parler de comment créer des formations en ligne sur une plateforme qui s'appelle Udemy sans faire de marketing. Et en fait, lui-même, il a commencé à uploader des cours en ligne, des vidéos qu'il a mis sur la plateforme sur comment devenir graphiste, comment devenir développeur. Et il a une dizaine de formations maintenant qui lui rapportent plus de 10 000 euros par an. Donc, on l'a invité au sommet virtuel. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, cliquez sur le lien en dessous. Non seulement vous pourrez assister à la présentation d'Axel Paris sur ça, mais il y a plein de contenus qui peuvent vous aider. Et je voulais vous parler d'une manière un peu plus concrète, le plan d'action, comment faire. Donc, tout d'abord, vous partez de qui vous êtes et ce que vous aimez et ce que vous voulez faire dans 5 ans, 10 ans. Donc, par exemple, vous avez une passion pour l'équitation. Okay. Bah, vous créez un blog, une chaîne YouTube, un podcast, un compte Instagram sur ça. Et donc, vous allez créer de plus en plus de contenu en apportant des conseils, en apportant de l'aide à des gens et ça va vous créer une communauté. Donc, cette communauté, vous récupérez les emails de ces gens-là, par exemple en leur offrant un e-book gratuit et quand vous avez bien créé une communauté, mais ça peut même commencer à 100 personnes, et que vous avez suffisamment de compétences pour aider ces gens et que ces gens vous disent « moi, j'ai un problème pour ça, j'aimerais avoir un besoin pour ça », vous créez une formation en ligne ou un e-book ou un livre ou vous proposez du coaching, du consulting. Et ça, pour ça, il suffit d'envoyer un email, de leur proposer une offre et puis ils achètent. Et c'est comme ça que des milliers d'entrepreneurs en France et aux États-Unis et partout dans le monde gagnent vraiment beaucoup d'argent parce que c'est une opportunité d'avoir Internet qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand vous n'êtes pas là. Quand je dors et que quelqu'un clique sur mon bouton pour acheter ma formation, je n'ai pas besoin d'être là à la caisse pour lui rendre la monnaie. Non, tout se fait en ligne. Et ça, c'est vraiment la puissance d'Internet et je veux vraiment que vous puissiez utiliser ça. Donc, vous l'avez compris, vous créez du contenu, vous créez une communauté, vous récupérez les emails, vous faites du marketing, vous proposez un produit qui répond à un besoin. Et puis là, je vous ai à peu près résumé toute la méthode. J'aimerais vous parler aussi
d'une présentation de Antoine Pétavin qui va nous dire bah, comment on peut même accélérer les choses via de la publicité Facebook qui est remboursée tout de suite par les clients. Bref, l'idée c'est qu'au lieu de créer plein de contenu, vous ne créez très peu de contenu, vous avez un produit, vous mettez de l'argent dans la publicité, les gens achètent ce produit-là et avec l'argent que vous gagnez, ça vous paye en fait Facebook. Ok, la publicité et puis avec ça vous créez une base d'email et derrière vous pouvez revendre des produits plus chers. Voilà, ça c'est un court résumé, mais pour ça inscrivez-vous au sommet virtuel Solopreneur et on va vous expliquer ça. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais vous dire? Non, je pense que on a fait le tour. En tout cas, je vous encourage à vous former, à tenter l'expérience, même si l'entrepreneuriat c'est pas fait pour vous, ça vous coûte rien. Ok, je vais aussi vous mettre un lien qui va vous montrer comment on commence, avec quel budget on commence. Je vous mets le profil à 0 euros, à 500 euros ou à 1000 euros et ne démarrez pas de business sans avoir testé ça parce que vous allez voir que c'est très peu de risques, c'est passionnant et puis après je dis pas que c'est facile, c'est du travail, mais comme on a internet comme levier, tout est beaucoup plus simple que dans le monde pré-internet. C'était Lingentia. Donc, j'organise le sommet virtuel Solopreneur. Inscrivez-vous absolument. C'est totalement gratuit. Et puis, vous pourrez prendre connaissance et vous former auprès de 20 intervenants pour vous aider dans votre business. Ciao, ciao!